Bonjour, je m'appelle Patrick Litou, je suis consultant Synergie et aujourd'hui je vais vous présenter en 3 minutes les étapes essentielles d'une étude Synergie, projet et stratégie. Les projets sur lesquels nous intervenons sont tous très différents. Il peut s'agir de développement, de réduction, mais également d'investissement tels que les équipements de traite. Nous avons aussi des projets d'organisation du travail, des projets d'installation, d'optimisation de système ou encore les projets bio. Avant de me lancer dans l'étude de votre projet, il est important de le définir précisément avec l'ensemble des associés. Il me faut savoir vraiment quels sont vos objectifs techniques, économiques, quelle est votre charge de travail, quel est votre projet de vie. Et pour cela, une seule méthode. Je vous écoute, je vous pose des questions et je vous accompagne dans la réflexion. Prenons l'exemple de Marianne et Laurent. Au départ, à l'installation de Marianne, ils imaginaient plutôt une augmentation des volumes à produire. Et finalement, la trajectoire a évolué, non ? En effet, on souhaitait développer notre production. La laiterie nous donnait du volume supplémentaire. On a demandé à Patrick de nous accompagner afin de vérifier que nous étions en capacité de produire ce volume. Il nous a aidés dans notre réflexion et au final, on a changé d'optique. Extensifier notre système nous correspondait mieux. Du coup, nous avons demandé une conversion bio après avoir vérifié que cela était faisable. Et oui, l'idée de départ peut évoluer. Ce qui est essentiel, c'est d'arriver à un projet qui vous correspond. Une fois vos objectifs validés et partagés entre les associés, je peux commencer l'analyse de l'existant. Je vais lister avec vous les points forts et les points faibles de votre exploitation. Le cheptel est-il de qualité? Le parcellaire est-il morcelé? Les bâtiments sont-ils fonctionnels? Quel est votre potentiel de main-d'œuvre? Etc, etc. On regarde ensuite quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous, mais également les menaces. On va donc voir par exemple si l'urbanisation a un impact, si votre laiterie vous offre des opportunités, s'il y a des possibilités de vente directe, etc, etc. Je détermine ainsi de façon très précise le potentiel de votre exploitation, ses capacités productives et ses facteurs limitants. Pour ce cas précis, là, ce sont les génisses qui posent problème. Il va falloir s'adapter. Une fois que je sais où vous voulez aller et que j'ai un diagnostic complet de votre exploitation, on détermine ensemble comment améliorer l'existant. On regarde quelles sont les possibilités de changement, voire d'investissement. Ensuite, on détermine ensemble les options que vous souhaitez étudier. Du coup, on est presque au bout de l'étude. Vient le moment des simulations qui prennent en compte les impacts techniques, économiques, financiers, réglementaires et la charge de travail. Pour finir, je m'engage à vos côtés en déterminant un plan d'action précis qui vous permettra de mener à bien votre projet. C'est ce que nous avons fait avec Bertrand. Effectivement, l'étude que nous avons réalisée ensemble m'a permis d'y voir plus clair dans mon projet. La réflexion a été menée en plusieurs étapes. Patrick m'a orienté vers les bons experts pour mener à bien mon projet. Au final, une fois l'étude terminée, je l'ai présentée directement à mon banquier. Une étude comme ça, ça sécurise le financement et ça rassure ma banque. Et voilà, Synergie Projet Stratégie, c'est une équipe de consultants qui ont une vision à 360 degrés, tant sur la technique, l'économique, le financier, le réglementaire et le travail.